a refait la cabane à l'automne 2010, l'automne à l'hiver 2010, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. 2010-2011. Donc en partenariat avec la mairie de Lées Athas. Voilà. Ah ben oui, avec l'aide de la mairie. Oui, grâce à la mairie, et sans la mairie, voilà. Mais avec pas beaucoup de moyens non plus. Avec peu de moyens, un peu avec le tour et tout ça. Bon, on a eu quand même un héliportage ou deux. Voilà, mais c'est vrai que le travail un peu à l'ancienne, quoi. Hein. Ouais, bah ouais. Oui, oui. On a remonté les murs en pierre sèche, tout ça, pour faire un petit refuge, pour l'utiliser, nous, donc en fait, comme outil de travail. Hein. Pour amener des groupes, faire de la découverte du milieu, des sommets, des... parce qu'on est accompagnateur. Et puis aussi, il y a une partie qui reste ouverte, bien sûr, pour que ça serve d'abri pour tout le monde. Voilà, de refuge, d'abri, que tout le monde puisse l'utiliser. Bon, pas squatter trop non plus, parce que nous, on est souvent malgré tout. Ouais. Hein, mais bon, après, voilà, ce côté abri, refuge, c'est bon, vachement important. Hein, c'est la vocation du lieu aussi, quoi. Une cabane qui était en ruine, c'était une ancienne cabane de berger, mais il n'y a plus de berger depuis 50 ou 60 ans ici. Ouais. C'est trop petit en fait. Les stives, les pâturages sont trop petits. C'est plus adapté à une... Donc nous on a pu l'utiliser, voilà, la remettre debout, hein, parce qu'elle allait tomber quoi. Hein. Ah ouais, tomber, mais... même dangereux, hein, parce que ça se... C'est vrai que c'est bien la mairie de nous avoir fait confiance quoi. Ah oui, bah ouais, sans eux, c'est vrai que c'est un coin super ici. On sensibilise les jeunes, les classes et tout à l'environnement quoi. Expliquer aux gamins, voilà, qu'on ne jette pas les papiers partout, déjà c'est pas mal. On ne fait pas caca partout pour toute la cabane en laissant le papier, c'est pas mal aussi. Donc on a les toilettes sèches, tout ça, enfin... Ça va être une belle table, hein. Et puis voilà, pour découvrir un peu ce coin quoi. Les gamins qui sont venus ici, souvent ils s'éclatent. Ouais, puis de façon simple aussi, assez simple, aller jouer un petit peu, voir un petit ruisseau, machin, aller voir des animaux, aller voir des traces d'animaux, voilà, ramasser les myrtilles, voilà, des trucs tout simples en fait, un peu, après voilà, on peut avoir de la demande aussi pour faire des activités, des sommets, des trucs comme ça, c'est autre chose, c'est plus sportif, bon, ici c'est un endroit pour être... Pour être en montagne, toute chose, voilà. Les gens ils viennent en famille. Être en montagne, passer une nuit dans des bonnes conditions, parce que la cabane on a un berger là, qui est super sympa, Jean-Yves là. Ouais. Donc très vite, en 20 minutes, ils peuvent aller voir le berger. Le berger va leur montrer comment on fait le fromage. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que c'est simple. Ouais, voilà. On peut, si les gens ont envie de faire une petite rando en famille ou entre copains, ils nous appellent. On va leur faire ça. Dormir en montagne, passer la soirée, tout ça, bon, manger là, tout ça, c'est vachement sympa quoi. Et puis, voilà, on fait un feu de camp, voilà, à l'extérieur on fait un feu, donc ça c'est bien aussi pour les gamins, d'acheter le bois, préparer le feu pour faire quelques grillades. Voilà, ça paraît tout con. Rien que ça c'est... Voilà, ça paraît tout con, c'est un peu dans... en opposition, mais on est dans une période d'activisme. Il faut faire des activités, vendre des activités, tout ça. Nous, on n'est pas contre ça, mais nous, on n'est pas trop là-dedans, en fait. Hein. C'est découvrir les choses un peu simplement, quoi. On y est, là, hein. Voilà, la règle de la montagne. Tout à l'heure, on a oublié la patience. La patience. Ah, regarde, c'est beau, ça. Et... C'est fort, oui. Là, voilà, et voilà. C'est bien, c'est bien, non? Pas mal, nickel. On va la ranger l'herminette. Mais prendre le temps de regarder. Donc, en fait, quand tu restes longtemps autour de la cabane, tu peux te faire des toutes petites balades et tout, mais tu prends le temps de... Voilà, t'asseoir, regarder, ce qui se passe. S'imprégner un peu du les trucs. Tranquillement. On a beaucoup d'animaux autour. Ouais, c'est un coin. Le lièvre il passe souvent. Le chevreuil, les isards. Le chevreuil, les isards. Beaucoup de rapaces, le gypaète il passe bien souvent aussi. Tout ça, ouais. Donc au niveau de faune, de flore, c'est très riche aussi. C'est un coin. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de champignons. Voilà, on peut revenir à des trucs un peu simples, en montagne, tranquillement, dans des bonnes conditions, parce que c'est vrai qu'ici on peut choper des orages, des machins, c'est vraiment à l'abri, ça risque rien quoi. Et c'est à la fois isolé, c'est vrai, mais c'est pas loin. C'est pas loin de la Béroite, machin, c'est pas... Voilà, c'est pas 5-6 heures de marche de l'endroit, mais c'est quand même sauvage. Ici, il y a du monde qui passe, mais pas trop. Sur le GR10 en bas, il y a beaucoup de monde, ici, c'est un peu... Là, ouais. Mais tant mieux, ça serait sur un endroit avec trop de monde, ça serait... je pense que ça serait le bordel, quoi. Mais bon. Même les bergers qui sont autour, là, ils sont contents. Ils sont contents qu'il y ait un peu de monde, qu'ils passent. Un peu de monde, ils viennent, ils passent souvent. L'esprit des Pyrénées, c'est un peu ça, c'est les bergers quand même. C'est eux qui donnent ce aussi. Ben ouais, c'est eux qui sont là depuis longtemps. Qui la protègent, qui l'entretiennent. Ah ouais. Bien sûr. On n'a pas tellement été d'accord avec les bergers, mais bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'ils font un sacré boulot. Oui. Les mecs qui sont sympas, et puis ils vivent là, quoi. Ils vivent pendant 3 mois. Oui, oui. On pense au nom du berger comme un truc, ah c'est génial, c'est super, les mecs sont là-haut avec la bête. C'est rude, ouais, c'est rude. C'est rude. Jean-Yves, il se lève à 5 h du mat, il fait 4 heures de traite le matin, 4 heures de traite le soir. Oui, oui. Ils font tous, quoi, tous les bergers qui font la traite, le fromage en Bretagne. Ouais. C'est quand même, c'est pas le truc des oiseaux, et puis il y a des beaux moutons, quoi. Oui, oui. Et puis ils sont là pour bosser. Et heureusement qu'ils sont là, quoi. Hein, heureusement qu'ils sont là. Sinon la montagne elle se bouche, quoi, tu vois. Elle se bouche, ouais, ouais. Bon, après c'est agréable, quand tu vois l'odeur des troupeaux en montagne. Ouais, ouais. Puis ça fait une montagne qui vit, ça fait une montagne où il y a une petite occupation humaine et par rapport à autrefois, c'est rien. Hein. Enfin, il y a quelques années, ils se paument en montagne à l'escalade. Il y a un brouillard comme là, tu ne voyais pas 10 mètres. Il venait de faire une grande lambée, puis il ne savait pas où il était. Tu vois. Ouais. Puis à un moment donné, il entend les cloches. Donc ça l'a remis un peu sur la rassure. Ouais, ouais. Il arrive là et le berger lui dit il n'y avait plus d'heure, il n'y avait plus rien. Il y avait la radio qui ne marchait pas, et là c'est l'isolement, quoi. Le mec il est avec son troupeau en montagne, il n'a plus rien, il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas de radio, il ne sait même pas l'heure qu'il est. Et voilà, il est là avec ses bêtes, son taf. Quoi. Ils sont aidés maintenant. Ils sont aidés, il y a des muletages. Voilà, il y a des muletages, des portages, et tout ça. Heureusement qu'ils sont aidés, parce que sinon ça serait... L'année dernière, au mois de juillet, il a fait un temps, il a plu. Pendant un mois, lui, c'est ça quoi. Quand il fait beau, c'est bien, tu te fais la traite, c'est bien, c'est pas mal quoi. Quand tu es sous la pluie dans le ciré, les bêtes elles sont dégueulasses, il fait froid. L'année dernière il faisait froid au mois de juillet. Le maréchal Ferrand, Hervé là. Ouais, Hervé Langui, ouais. Il a mulé lui. Ouais. Et ouais, il voulait nous le refiler. Apparemment il voudrait le refiler pour... Ouais, pas grand chose. Ouais. Nous il y a Bertrand de Lingeux qui nous en a apporté un aussi. On n'a pas... Bon, va falloir qu'on lui trouve un bas, mais c'est vrai qu'il nous faudrait un bas un peu plus large, ceux-là ils sont trop étroits. Tu veux pas qu'on bat c'est un gros mulet non, il est petit, mais il est large. Parce que moi, j'ai le bas suisse. Ah, le bas suisse ouais, je m'en sers pas là pour l'instant. Ah ouais J'ai prêté la mule et l'âne à Morgane. Isolement, ouais, enfin, isolement. Ici, tout est relatif. Tu n'es pas isolé quand tu es à 1 heure de marche d'une route, à mon avis. Mais malgré tout, tu peux avoir l'impression d'être isolé. C'est vrai que tu vois pas grand monde et tout, mais bon, c'est pas... voilà, tu n'es pas très loin. Mais l'isolement, en fait, c'est pas... Oui, c'est pas trop le mot, en fait. C'est, je sais pas, être un peu... montagne, et puis bon, on est dans une époque aussi où maintenant tout est codifié, alors les GPS, les topos, il y a des trucs partout, des balisages partout, des machins partout, ce qui est pas mal parce que ça démocratise un peu la montagne, mais c'est Gaston Rebuffat, un ancien montagnard, enfin, il disait ce sera un luxe en l'an 2000 de pouvoir se perdre ou s'égarer en montagne, et ça commence à devenir le cas un petit peu, et nous en fait on aime bien être en montagne tranquille, quoi. Et puis amener les gens ou, voilà, dans des coins où il n'y a pas trop de monde, ou un peu sauvage, quoi. Sauvage sans être... sans que la nature soit du tout agressive ni dangereuse, quoi. Mais bon. On n'est pas contre ça, moi je comprends. Ah, on se base avec des GPS et tout. Oui, après, voilà. Mais c'est pas notre truc. Ça donne une distance avec le milieu. Tu découvres le milieu à travers des appareils. Moi je vois de plus en plus de la clientèle, les gens ne regardent pas le paysage, ils le prennent en photo. Vous avez remarqué ça? Je mets dans la boîte, je mets dans la boîte et ça y est, c'est fini. Et après je vais le mettre sur mon ordinateur, machin, et je le... comme si... Je les mets sur les trucs sociaux pour dire je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est une façon de se l'approprier, mais sans en profiter, parce qu'il n'y a pas de... enfin, ça n'arrive pas, c'est pas systématique, mais moi je vois ça de plus en plus. Regardez, ça c'est super beau, clac, je le fous dans la boîte. C'est pas... Bon, il y a des gens qui apprécient, qui arrivent à apprécier les choses comme ça, mais il y a justement, je pense que les gens qui viennent ici, voilà, c'est les gens qui apprécient, quoi, tu vois, non, nous on essaye de faire ça, notre but c'est... Alors ça marche pas à tous les coups, ouais, c'est vrai que moi j'ai eu des gens des fois ici, ils se sentaient paumés, ils ont flippé, ils se sentaient isolés... parce que tu vois personne, parce que... Voilà. Parce que le téléphone portable il passe pas bien. Le téléphone portable il passe à 5 minutes, heureusement. Enfin, c'est bien pour si jamais on a un problème, tout ça, s'il y a des problèmes, s'il y a un accident, un truc comme ça. Et nous, on aime bien ça. Et puis il n'y a pas de risque en plus, c'est pas passer avec la porte avec une coque de noix ou un truc comme ça. C'est milieu naturel, connaître le milieu naturel, s'imprégner de ça, et puis... de façon simple, quoi, parce qu'on en a besoin, en fait, l'être humain, je pense qu'il a besoin de la nature, hein. Et bon, il y a de plus en plus de gens qui sont quand même un peu, de par leur mode de vie, c'est pas reproché, mais bon, qui sont un peu décollés de ça. Tu le vois avec les enfants ils sont pas encore complètement, enfin, pas tous, il y en a qui sont, c'est trop tard. Bon, plus par la modernité, mais bon. Il y a même pas mal de jeunes, des ados, de ville, de quartiers difficiles en ville et tout. Ouais. Pour monter la IRAL bien quand même. Ouais, mais souvent il y a des réactions sympas, quoi. Oui, vachement sympa. C'est quand même beau ici. C'est beau. C'est calme en IRAL parce qu'il n'y a pas la douche, mais après bon. Oui, de la téloche. Après ici il y a de l'eau partout, des ruisseaux partout, et on peut très bien se laver avec 3 ou 4 litres d'eau, c'est tout à fait possible. En fait, comme on est quand même souvent en montagne. Oui, on est souvent ici. Comme ça, on observe quand même, on sait où se trouvent les... Et puis on sait observer aussi, c'est vrai que c'est une... observer les animaux, alors ça, c'est particulier comme truc, c'est vrai que quand tu observes de la faune en milieu sauvage, t'es pas dans un zoo, quoi, c'est-à-dire que l'animal, il faut l'approcher, il faut pouvoir le distinguer dans le paysage, il faut savoir à peu près les endroits où il est, tout ça, c'est toute une approche en fait, une approche discrète où il faut... Justement, il y a plein de périodes où justement il ne faut pas essayer d'approcher. Voilà, il faut les laisser tranquilles aussi. Dans tes tracts, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de voir le chat et tout. C'est pas bon, c'est pas terrible. Ça. Quoi, parce qu'on sait que ça fait partie des raisons qu'il faut qu'il y en ait un petit peu moins. Quoi. Voilà. Et observer les animaux sans les faire chier. Quoi. Ouais, ça c'est un gros sens. Sans les déranger. Et puis ici, en plus, on est dans une zone, il y a des coins même dans les Pyrénées. À partir du moment où il y a une fréquentation humaine très importante dans un endroit, les animaux qu'on dit sauvages deviennent familiers. C'est-à-dire que tu vas à Gavarnie, les marmottes elles sont au bord de la route et les gens ils leur lancent des chips, quoi. Voilà, on a vu des marmottes, mais nous les marmottes on ne les voit pas comme ça ici. C'est vrai que comme c'est un coin sauvage, les animaux ils sont vraiment sauvages. Donc en fait pour les voir, il faut Bien doucement, les approcher. Les isards, c'est pareil, tu as des coins, tu vas au Pont d'Espagne, tu as les isards et ils sont... C'est agréable ici. Et l'approche de l'animal sauvage, c'est dans son milieu naturel, avec cette distance qui reste entre lui et toi, c'est bien qu'il y ait une distance, c'est pas... C'est pas un ours en peluche, c'est pas un isard empaillé, c'est pas... C'est un animal sauvage. Tu les approches pas, hein. Les marmottes ici, tu les approches pas. Non, tu les approches pas, non. Les isards non plus, il y a toujours cette distance avec, qui est bien, qui est... Quand t'as un groupe, le problème c'est le groupe, ben on bosse avec des groupes. Mais oui, de toute façon... Avec les gamins, c'est compliqué. Avec les enfants, c'est compliqué sur ce film-là, parce que beaucoup d'enfants, pas tous, mais beaucoup d'enfants, on parle fort de nos jours, c'est parce qu'ils regardent beaucoup la télé. Ils jouent, ils s'amusent, ils crient, de suite, tu dis, bah, c'est bon. Oui, voilà, c'est difficile. On va pas voir la marmotte aujourd'hui. Ah, ouais. Alors si tu pars avec 4 ou 5 gamins, si, là tu vas pouvoir y arriver, avec 25, comme on... Maintenant, quand tu bosses dans des centres, tout ça, avec, ils te filent 25-30 gamins, ils te disent, allez voir... Ils veulent voir des machins, c'est pas possible, c'est vachement compliqué. Ou alors tu vas dans des endroits où il y en a partout. Tu vas à Gavarnie, tu vas voir des isards à 10 mètres, c'est sûr. Et puis, avec les jeunes là, de quartiers difficiles, là, ils viennent à 2, 3, 4, parfois. Là on voit des. Là on arrive à faire des approches, on est au sommet là, tu vois. Et avec les jumelles à faire des approches, ils aiment ça. Hein. Oui. J'aime, ouais. Tu arrives à faire avoir une bizarre à 100 mètres, quoi, tu vois. Le respect du milieu. Oui, des règles de la montagne. C'est vaste, mais bon, ça, ça me paraît évident. Mais bon, c'est vrai qu'il faut respecter le milieu, se sentir invité plus que, voilà, plus que dominateur, tout ça, quoi, hein, en fait. Et puis, rester humble. Parce que, bon, c'est vrai que quand il fait très beau, ça va, tu vois le chemin, ça, bon, le brouillard, ça tombe vite. Des gens perdus, moi j'en ramasse pas mal ici, avec des topos, les machins, ils sont là, qui ont cru qu'un support technologique ou machin pouvait leur permettre d'appréhender tout le milieu, mais en fait c'est pas vrai, quoi. Enfin. Ah, les règles de quelqu'un qui part en montagne et qui veut venir se faire balader, c'est comme, bon, d'après moi la priorité c'est le respect de l'endroit où tu vas. Il y a des gens qui habitent, et des gens qui travaillent, des animaux, voilà, il ne faut pas partir en montagne et puis hurler, crier, jeter les papiers partout, on en revient toujours à la même chose. Ouais. Après, les règles de sécurité, je crois que c'est évident. C'est comme partout, quoi. Les gens, ils doivent pas s'aventurer dans des endroits. S'ils ne savent pas lire une carte, ils peuvent pas partir au Pic d'Anie, enfin... Imaginez une boucle, un tour en montagne, s'ils ne savent pas lire une carte. Même s'ils ont... Ça arrive. Ça arrive. Il y a des topos qui sont faits ou qui sont... Mal faits, souvent c'est pas très bien fait. C'est dangereux, quoi. C'est dangereux, il y a plein de gens avec des gamins, c'est incroyable, parce que nous, ça nous paraît évident. Parce qu'on connaît... Oui, c'est... Les gens qui partent de l'escane, tu leur dis... On se marie plusieurs fois, tu vois ça. Qui partent à la pierre ou... Le chemin, c'est GR10, il est balisé et tout. Tu te dis, bon là ça va, quoi, tu vois, ils vont tracer. Oui, il y a des gens qui se retrouvent ici. Ils sont perdus, quoi. Comment ils, là, tu sais pas comment ils, voilà, chacun, comment ils ont fait pour se perdre, mais ils ont quand même réussi à se perdre. Ils arrivent là avec des gamins, il y en a qui ont passé des nuits inconfortables. Hein. Oui. Vraiment limite, quoi. Et heureusement que c'était en été, sur le terrain hiver. Moi je pense que déjà il faut savoir lire une carte. Il faut, même si tu as un GPS ou ça, il faut quand même avoir. Ta carte hygiène dans le sac, et savoir la lire. Voilà, tu regardes un peu les cours de niveau, tu sais combien de temps tu vas mettre, tu te repères pour savoir où tu es sur ta carte, c'est bien ça. Parce que GPS, je sais pas, ça peut peut-être tomber en panne de temps en temps. Ça peut, oui. Enfin, si t'es dans le brouillard, je pense qu'un GPS ça peut te servir. En ski de rando, c'est vachement bien, dans la neige et tout ça, même en été. Moi je m'en sers pas, je devrais peut-être, mais bon. Ça me, enfin, éthiquement, philosophiquement, ça me dérange, mais bon, je m'en sers pas, mais voilà. C'est, c'est pas... Partir avec le bon matos, quoi. Ouais, surtout, partir avec le bon matos. Les chaussures, on en parle toujours des chaussures. Ah ouais, plutôt que j'ai de dire. C'est que parfois, les gens, ils arrivent avec des toutes petites chaussures. Peut-être qu'ils voient le GR10, où il y a un Sentier d'Émilie aussi en bas. Ouais, ça, c'est pas terrible. Donc, Sentier d'Émilie, c'est censé être facile, c'est pour une... Je pense, c'est facile, une demi-journée. Il y en a un qui passe ici, il faut redescendre par la Moline, le chemin, dès qu'il y a du brouillard, tu ne le vois pas. C'est dangereux là. Ah, c'est dangereux. Oui. Ben, c'est dangereux, oui, ça peut très vite... Ben, il y a des endroits où tu peux te faire mal, quoi. Donc voilà, c'est un milieu qui n'est pas hostile, mais c'est un milieu où si tu fais n'importe quoi... Ça peut aller très vite. Mais ça peut, D'ailleurs, il y a souvent des problèmes. C'est pas un reproche, c'est un manque de connaissances et peut-être un manque d'humilité aussi. Bon, j'ai le topo, machin, c'est une activité comme une autre, je fais une randonnée comme j'irai à la piscine. Alors après, ça c'est de l'inconscience. Et cette inconscience, elle vient de la... du disjonctage entre l'espèce humaine et le milieu naturel. C'est vrai que de plus en plus, tu as des gens qui sont, bon, c'est pas de leur faute, hein, mais qui sont déconnectés du milieu naturel, donc je fais une rando comme je vais au cinéma ou comme machin. Et surtout, et avant, j'ai regardé, bien sûr, j'ai regardé la machine miracle du siècle, Internet, j'ai regardé Internet, j'ai vu, oh, c'est génial, ce rando, machin, truc, c'est décrit, un grand soleil, il fait super beau, c'est facile, machin. Ouais. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité de l'écran sur Internet, voilà, ça c'est, à la limite, c'est virtuel, quoi, tu vois. Tout à l'heure, on parlait des Pyrénées, justement, les Pyrénées, c'est assez facile pour se balader. Oui, les Pyrénées, voilà. Les gens viennent ici, les trois quarts du temps, ça se passe bien, parce que il fait beau, c'est bien balisé, il y a pas de... les sentiers sont bien marqués. Ils sont bien marqués, ça dépend, ici en Vallée d'Aspe, il y a quand même, il y a pas mal de gens aussi qui... sont chez pommes, les règles de sécurité, c'est aussi dire, avant de partir, quand tu connais pas quelqu'un où tu vas, putain, je vais faire cette terre rando, parce que des fois, il y a des gens, ils sont recherchés pendant plusieurs jours, des jours, quoi, tu vois, parce que personne ne sait où est-ce qu'ils sont partis. Donc là, voilà, les règles de base, je pense, c'est ça, c'est tu vas au matos, avoir une carte, dire où tu vas, dire quand tu rentres. Parce que même si c'est facile, comme dit Philippe, il peut arriver, le brouillard, il peut se mettre très vite, bon, tu te trompes de chemin. Nous, on a des gens qui arrivent par des chemins hallucinants, là, le chemin, il est marqué. Les gens, ils se pomment en bas au bois, là, quand on traverse ce petit ruisseau, là, ils vont à droite. Et là, ils se foutent dans des pentes. Quand tu avais des barres rocheuses, ça sent pas, quoi. Le danger ici, c'est le paillasse, tu vois, cette herbe qui glisse. Et ma foi, tu tombes sur une pente, une petite pente qui n'a pas l'air dangereuse. Tu pars sur cette herbe qui est plate, là, tu sais, tu prends dessus de la vitesse, voilà. Chaque année, il y a des cartons sur les sentiers de rando, le paillasse, les chutes de pierre, Voilà, c'est un milieu qui n'est pas hostile, mais c'est un milieu naturel qu'il faut... respecter, et si tu le respectes, tu le... Mais surtout prendre les accompagnateurs. Non, je dis de rien, tu connais rien à la montagne, tu fais une sortie ou deux avec un accompagnateur qui va t'apprendre justement, tu vas voir ce qu'il faut éviter de faire. L'intérêt de prendre des mecs comme nous, en fait aussi, c'est que nous on va aller dans des endroits où, qui sont sauvages, quoi. Voilà, super. Il y en a plus. La minette pour à la table. Encore des gens perdus d'ailleurs. Après, l'utilité de notre boulot à nous, c'est aussi de faire découvrir le milieu, d'aller dans des endroits sauvages, même hors sentier, mais bon, on ne prend pas le risque bien sûr, mais et puis de découvrir le milieu, quoi. Et puis voilà, des trucs de sécurité aussi. Ben, nous on prend la météo avant de partir. Ouais, les météos sont bonnes maintenant, tout en sachant que la météo montagne, bon, prenons un exemple. Comme aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, il y a la mer de nuages jusqu'à 1600 mètres à peu près. C'est-à-dire que 100 mètres au-dessus de nous, il fait beau. En bas dans la vallée, là, il y a le plafond. Enfin, il fait pas beau, hein. Il fait gris. Parce qu'il pleut quasiment, là, tu vois. Puis après, dès que tu montes, là, bon, on est... parce que la mer de nuages dans les Pyrénées s'arrête à 1600 à peu près. Et en juillet, elle y est vachement. Donc voilà, tu peux... Là, si jamais tu étais dans une condition professionnelle, les gens en bas diraient ouais, mais on va pas y aller parce qu'il fait mauvais. Et non, il fait pas mauvais en fait. Tu marches et tu traverses la brume, il fait beau. Mais c'est vrai que pour se balader dans le brouillard, là, des trucs comme aujourd'hui, quand tu connais pas, il vaut mieux, voilà, soit, il faut faire gaffe, quoi. Et la météo, après, c'est vrai que c'est vachement changeant. Le propre de la montagne, en fait, c'est que c'est aussi des microclimats, là, je veux dire, la montagne. Tu as des... à 100 mètres, 200 mètres des fois, soit que tu sois au vent ou pas au vent, à l'ombre, au soleil. Ça, c'est vraiment une mosaïque de petits climats, de conditions particulières, différentes, et tu peux pas... c'est vraiment difficile, hein, des fois tu pars, il fait beau, alors il peut faire beau à l'Esquin, il fait mauvais, il fait pas beau à Cousse, bon, c'est vraiment... donc, Ça, c'est ouais, cette période, ça va, c'est l'hiver, tu vois, en raquette. Ah, l'hiver, c'est le plus compliqué. Là, il ne faut pas oublier de prendre bien du... Faire gaffe en hiver. Ouais. Là, en bas, tu vas avoir une température pas trop froide. De suite, quand tu arrives dans des endroits comme ici, il faut avoir du matériel, tu vois, pour pouvoir se couvrir. Voilà. Se changer de chaussettes, ça les pieds mouillés, c'est important, parce que ça peut... Oui, ça caille, quoi, il fait froid ici. Quand tu fais en raquette, tu vois, que tu marches, tu vas à Zun, que tu reviens... t'as transpiré et tout, il faut prendre du matériel. On a des bonnets partout, des vestes. Nous, voilà, nous, les gens qui arrivent, parce qu'ils n'ont pas de, ils ont pas ce qu'il faut, quoi. Et t'as beau le dire, des fois, et les même gens... en été, les bonnets, ils partent. Ah, vous n'avez pas un bonnet, parce qu'il fait froid. Ah, ouais. Ils ont pas mis il peut faire froid. Ici, on est à 1700 mètres, les soirées, il peut faire 30 dans la journée, 25-30, même ici. Et puis dans la soirée, il fait 5 degrés. Si t'as la mer de nuages qui monte, avec de l'humidité... Donc ça, il faut prévoir, quoi, un petit peu tout ça. On ne peut pas concevoir d'aller en montagne sans marcher, déjà. Ça fait partie du truc, et l'effort, tu ne peux pas concevoir faire de la montagne sans faire d'efforts, quoi. Ben, c'est, je sais pas, hein, c'est pas dans la compète, c'est comme ça, de toute façon c'est en pente, donc quand tu montes c'est dur, et quand tu descends, faut faire gaffe, quoi. Ouais, ça se gagne un peu, quoi, la montagne, tu fais pas de la montagne, tu peux faire de la montagne en hélicoptère et machin, mais bon, c'est autre chose, quoi, mais bon. Ça se gagne un peu, c'est pas... Enfin, oui, de toute façon, si tu veux durer un peu, si tu veux faire des trucs, tu gères, quoi. C'est arrivé à un moment où si jamais tu pousses trop la machine, tu n'y arrives plus, quoi. Il faut gérer, ou alors tu marches souvent, ou alors c'est une démarche sportive et compétitive, c'est autre chose, et ça se développe en ce moment, ça, les gens qui courent en montagne, c'est une chose, je ne critique pas, mais c'est autre chose, là c'est une démarche... uniquement, enfin pas uniquement, mais si presque uniquement sportif, parce que les gens qui font ça, qui courent en montagne, machin, la montagne est un stade en fait, là. Ça devient un stade, donc nous on n'est pas là-dedans, quoi, ouais, même pas du tout, ouais, enfin, de toute façon on n'a pas arrêté, mais qui veulent pas vieillir, ça, tu vois, trop d'efforts, ils font trop d'efforts, qui se dépassent, bien sûr. Qui se mettent dans le rouge, et il faut éviter de se mettre dans le rouge en fait, quand tu montes. On en fait des efforts quand on est sur le sommet. Nous, on marche toutes les semaines, de toute manière. Oui, on marche tout le temps. Il faut que tu gères aussi, tu vois. Quand on a bossé ici, qu'on a refait cette cabane, bon, mais ouais, il faut chercher des cailloux, des machins, c'est physique. On a fait des portages, des kilos, quoi, tu vois. Bon, là, tu fais un effort. Tu fais un effort, c'est un but. C'est un but, et ça fait partie du truc. Après, c'est vrai que dans notre monde, on est de plus en plus sédentaire, il y a de plus en plus de gens qui ne marchent pas. Il faut savoir qu'il y a encore 50 ans, tous les gens marchaient, tout le monde marchait pour ce qu'on a fait nous. C'est pas étonnant le nombre de gens qui montent et qui trouvent dur, quoi. Oui, bon, ouais, c'est un peu hallucinant. Ouais. Marcher, c'est bien. Marcher, ouais. Marcher tranquille, quoi. Marcher en s'arrêtant, en regardant tout, quoi. Notre société où tout va vite, tous les déplacements sont hyper rapides et tout ça, c'est au rythme, le rythme mental de l'homme, est-ce qu'il est fait vraiment pour ça? C'est pas évident, oui, tu peux avoir des problèmes à ce niveau-là. Moi, je pense que speeder tout le temps, tu as des effets sur ton mental qui sont peut-être pas terribles. Je lui avais posé la question en Inde, on était en Inde. Ouais. Et on avait rencontré des gens qui font pas mal de yoga, des gens qui ont ça. Et tu lui as dit à un gars, moi, j'en fais pas, enfin, on fait pas de yoga. Non, mais on fait de la marche. Yoga, c'est ça, quoi. C'est pareil. Pareil, ouais. Pareil. Je te dis, c'est pareil, même les maîtres, on a rencontré les maîtres, c'est la même chose. Pareil, ça te met dans le même état, quoi, tu vois. Tu fais un effort quand même. Oui. Tu fais marcher ton corps, et en même temps ton esprit, quoi, tu vois. Oui. Mais nous, c'est peut-être moins violent, tu vois. Parce que... Quand on voit... C'est pareil, tu peux arriver au même état de bien-être, à un moment donné. Quand on voit l'engouement qu'il y a pour les trucs comme Saint-Jacques de Compostelle, où les gens... marche, justement, marche, vont marcher, alors ça marche hyper bien, ça, c'est bien vendu au niveau marketing et tout, mais c'est parce que les gens, ils ont besoin de marcher, je pense, c'est des gens qui marchent pas, qui font Compostelle et tout ça, c'est des citadins, c'est des gens de la ville et tout ça, c'est des gens qui marchent pas dans leur vie. Et là, ils achètent une marche, et avec en plus une quête pseudo-spirituelle, parce que pseudo ou spirituelle, tu peux être... tu peux faire Saint-Jacques sans être croyant, quoi, mais alors, c'est ce besoin. Besoin de lenteur un peu, besoin de marcher, de parler avec les gens. Leur truc, quand tu te parles de leur voyage, voyage à pied, qui était. Mais même nous, quand on fait des trucs un peu longs à pied, Bien sûr. Toi, je suppose que tu as enchanté ton truc. Parce que oui. Tu as eu plein de choses. Ça marche, il y a des gens qui veulent. Ça a fonctionné, ça. Tu vois, ouais. Je suppose que toi aussi, quand tu marches, ça fonctionne. Quoi. Quand tu es en bas, tu es pris par plein de choses. Mais ouais. Le rythme humain, enfin, je ne sais pas. Notre époque est rapide, quoi. Notre époque est très rapide, alors peut-être c'est bien d'essayer de. Dire que nous, on s'entend de peu. Oui, c'est vrai que. Ouais, ouais. On n'a pas appris de. On a fait le choix justement de. On ne bosse pas comme des fous. Mmh. Ça veut dire aussi qu'on a des moyens très limités, mmh. assez limités. On n'est pas à la recherche de l'argent public, quoi, tu vois. C'est pour ça que nous, ça nous va bien. On gagne un peu notre vie avec ça. Ça nous suffit. Quoi. Ça serait autre chose. Oui, bon, on n'a pas de. Ouais. Chacun son truc, quoi. On ne dit pas, mais bon, peut-être. C'est un souci de moi. Hein? Il y a un truc qui est sûr, c'est que quand ça va pas, c'est toujours des moments où ça va moins bien. Si on fait 2 jours au marché, fin de la montagne ou même une journée, je rentre hyper bien. Ah bah ouais, c'est un truc. C'est que moi ça me fait du bien. Bien sûr, de toute façon la montagne, tu as une espèce d'effet comme ça, mais bon. Tu fais un effort, justement, tu marches, tu... Ouais. Ouais, même dans la conquête sportive, tête, même, ouais, même les alpinistes de haut niveau, tout ça, il y a un truc, t'as pas un effet euphorisant, mais si, t'as hein, un truc comme ça, et c'est quand tu pas bien, tu te fais une petite cure à la cure. Hein mais là, puis, tu descends.